La pause au stade de la Mosson, le Racing Club de Strasbourg est tenu en échec 0-0. On va faire tout de suite un tour de table. Marine, ce score 0-0, un match très peu emballant quand même. Bah, moi je suis un peu déçue parce que j'aurais aimé beaucoup plus d'action, que ça vibre un petit peu plus ce soir. Donc j'espère qu'en deuxième mi-temps, il y a des choses qui vont se débloquer et puis un peu plus de tirs cadrés, voilà. Un peu plus de tirs cadrés. Hein. Ouais. On va faire le point sur les tirs cadrés, Mathieu ? 0. Voilà. 0. Voilà, 0 plus 0, la tête à Toto. C'est pas drôle, je sais, mais en fait, on s'est vraiment ennuyé, Sophie, ce match. Oui, tu l'as vécu comment, cette première mi-temps ? Oui, ben c'est sûr, il n'y avait pas du tout d'occasion. Je pense que la possession de balle, elle devait être 50-50. Enfin, c'était pas... On attend, les statistiques vont arriver d'ici un instant à l'autre, je pense, du côté de la régie. Dominique Schmidt qui nous dit on s'en... Voilà, enfin, on a compris. Il a raison. Théo qui nous demande quand est-ce qu'on débute. Voilà, ça y est, on a les statistiques, même en faveur du Racing Club de Strasbourg. Hein. Alors, c'est du direct, hein, j'ai un petit souci avec mon oreillette. On va régler ça, mais en tout cas, voilà, 5 tirs pour Montpellier, un seul tir pour le Racing Club de Strasbourg, 0 tir cadré. Pourcentage, je passe, à peu près identique. 3 corners pour le Racing Club de Strasbourg. Ah, il y a eu quand même 3 corners pour le Racing Club de Strasbourg, j'avais l'impression qu'on en avait eu 0. En tout cas, on n'a pas su en profiter. Hein. Non. Très très mal joué ces corners, ça devient un problème récurrent depuis le début de la saison, il va falloir absolument régler ce problème-là. Aujourd'hui, les corners sont une richesse, peuvent être des occasions, clairement. On gâche ses cartouches et c'est absolument pas normal de voir autant de déchets sur les corners depuis le début de la saison. Et dans ce match, c'est trois corners qui donnent strictement rien, qui sont très mal joués de la part des Strasbourgeois. Bon, pour le moment, ton 3-2, toi, tu peux l'enlever. Ton 2-1, on peut l'enlever aussi. Marine, tu restes encore un peu en lice, hein, avec ton 1-1 partout. Petit peu, ouais, j'espère. J'espère qu'il y aura des choses en deuxième période. T'attends quoi de cette deuxième période, justement ? Bah, un peu plus d'action, un peu plus de pressing de la part de Strasbourg. Et je trouve qu'ils ont fait un premier bon début de match, pas trop dégueulasse. Et c'est vrai qu'après, en fin de match, on s'est un peu fait balader sur les 5-10 dernières minutes. Et ouais, on s'est fait peur quand même un petit peu. Alors, on rappelle quand même que le Racing bénéficie d'un banc de touche assez conséquent. Pardon. Cette équipe de Montpellier a dû faire un changement au bout de 3 minutes avec Dolly qui est sorti et c'est le Talet qui est entré. Le Racing, il compte sur Liénard, sur Thomasson, sur Motiba, sur Zoï, sur Cornier, sur Endur. Voilà. Enfin, je les ai tous fait en revue, hein, mais on a des armes vraiment sur le banc. Hein. On en parlait en préambule de l'émission, mais là, maintenant, on est dedans. Hein. Je ne pense pas. Je pourrais me tromper, mais je ne pense pas qu'il va y avoir des changements à la reprise. Par contre, il est fort à parier que Thierry Loury a déjà en tête les différents changements qu'il risque de faire en deuxième mi-temps si la situation ne se décante pas, à moins que Thierry Loury se contente de ce 0-0 à Montpellier, puisqu'il a dit que ce serait un bon résultat pour les Strasbourgeois. Personnellement, je ne veux pas me faire beaucoup d'amis hein, dans la sphère des supporters du Racing Club de Strasbourg, mais je m'en contente de 0-0 moi, à Montpellier. Pour moi, ça reste un bon résultat quand même, Sophie. Bah, c'est sûr, c'est bien à prendre un point maintenant, si on peut quand même faire peut-être un bon changement pour qu'on mette la balle au fond dans la deuxième période, c'est quand même mieux. Hein. On rappelle quand même que dans les 10 dernières minutes, le Racing a vu très peu le ballon, on s'est fait très peur, on était très loin du porteur du ballon, très souvent à 2-3 mètres, et Andy Delors a failli en bénéficier. Donc, moi, c'est ce qui me fait peur sur la deuxième mi-temps, c'est de chercher à protéger, à garder ce 0-0, à se contenter. Et puis de prendre un but à 10 minutes de la fin et d'avoir les regrets de ne pas avoir de nouveau essayé de faire quelque chose pour aller chercher un meilleur résultat. Moi, je serais un peu déçu qu'on n'essaye pas de trouver d'autres solutions dans le dispositif tactique ou d'apporter du sang-froid des habitants pour chercher un meilleur résultat que ce 0-0 puis cette purge auquel on a droit depuis 45 minutes. Sébastien Young, qui fait partie de l'équipe, nous dit « J'ai encore du mal à comprendre qu'ils mettent un système aussi autant offensif par rapport à une équipe aussi défensive de Montpellier. Marine, est-ce que tu es d'accord ou... Moi, je ne suis pas spécialement d'accord avec Sébastien, pour le coup, c'est dommage qu'il ne soit pas là pour en débattre. Mais... Ouais, non, pas spécialement d'accord. Après, c'est vrai que les Montpelliérains étaient un peu amorphes en première partie de jeu. Ils se sont réveillés d'un coup sur la fin, en attaquant clairement les Strasbourgeois. Je ne sais pas trop ce que Thierry Loury va mettre comme composition pour la deuxième partie du match, mais en tout cas, j'espère que ça va un peu libérer le jeu et qu'il se passera des choses. Des changements à la pause ou je ferai peut-être quelques changements, ouais. Ouais, on rappelle la compo, 3 défenseurs centraux, hein, on joue en 3-5-2 avec Carole et Lala. Finalement, pour moi, si il y a deux joueurs, je devais sortir un ou deux joueurs, je sortirais les latéraux. Mathieu, tu ferais pareil ou pas? Non, je sais pas, parce que Kenny Lala, Lionel Carole, c'est les seuls qui ont apporté des solutions. Le problème, c'est que c'est dans l'axe de notre milieu de terrain qu'on n'arrive pas, on n'a pas fait d'attaque placée en passant par le centre du jeu. Peut-être trouver un autre équilibre, passer en 4-4-2 en deuxième mi-temps. Avoir des latéraux plus défensifs et densifier un peu le milieu de terrain.
Je ne sais pas, à voir comment Thierry Loret va négocier cette deuxième période. Sophie, est-ce que tu campes sur ton pronostic? Tu as le droit de dire non. Tout est possible, non? Mais 0-0 à la pause, ça ne veut clairement pas dire qu'il y aura 0-0 à la fin du match. Là-dessus, je te rejoins, tu es entièrement d'accord. Non, et je pense que s'il fait des changements tôt, ça peut tout changer. On peut marquer aussi un but dans les arrêts de jeu. On le prend, hein. Voilà. On le prend direct en 0 à la 93e. Marine, ton pronostic, tu restes sur le même? Ouais, je reste sur la même chose, ouais. Okay. J'espère qu'il y aura plus d'action. Ok. Adieu. Moi, c'est un peu dangereux, mais je vais rester sur le même, puisque ça peut aller très très vite en football. Je vais conserver mon 3-2, mais c'est vrai qu'il paraît un peu utopique, l'heure actuelle. À mes amis hein, de jeudi, hein, avec qui on a fait les petits pronostics sur Winamax, que ce soit Maxime, Seb, etc. etc. Je vous rappelle quand même que Dijon est mené à domicile face à Angers, pour le moment j'ai tout juste. Mon 0-0 sur Racing Club de Strasbourg, pour le moment j'ai tout juste. Je vous embrasse. On se retrouve à la fin du match pour faire le débrief. Avec plaisir. Allez, bonne deuxième mi-temps à toutes et tous. Vous le retrouverez la deuxième mi-temps en compagnie de Mathieu pour commenter ce match. Et puis on se retrouve après avec toute l'équipe pour débriefer. À tout à l'heure. C'est le direct, et je sais qu'ils sont en train de galérer à la régie, je les entends taper sur les boutons de partout là.